Bonjour mes petits camarades. Aujourd'hui, nous sommes dans les bois à, comment ça s'appelle, tu m'as dit le machin, 266 mètres de hauteur. Ouais. La roche quoi? Bayard. La roche Bayard. Nous sommes à la roche Bayard, à 266 mètres de hauteur, avec ma petite Alexandra qui tient la caméra de Cinéphile Prod. Elle vous dit bonjour. Voilà. Une fois que la prophétie s'est déplacée à son grand-père. Ah si, ah bon, ah, c'est son bonjour elle. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? As-tu bien dormi? Bon, ça va, à la bonne heure, ça va. Donc on est parti pour une promenade, encore une fois, une rando matinale sous la fraîcheur. Alors, elle prétend qu'il fait pas frais du tout. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Ouais, je transpire de partout. Mais elle vient, hein? Je transpire de partout. Mais c'est de partout qui me gêne surtout, tu vois. Mais elle n'est jamais contente. Je lui ai préparé une bonne bouteille avec des glaçons. La fille, elle a déjà bu un coup. Non. Elle m'a dit, papy, c'est pas assez, il me faut de la bière maintenant. Non! Ah bon? C'est toi qui en faut. T'as pas eu ta dose. C'est vrai. Mais je sais attendre. Donc, nous allons entamer une redescente. C'est beau ce que je dis. Yeah. Une redescente. Pour aller boire une bonne bière, une bonne chope. Toi, tu conduis, donc tu boiras pas aujourd'hui. C'est pas la peine. C'est pas mon intention. C'est pas la peine d'essayer d'imiter ton grand-père. C'est pas mon intention. Ouais. Enfin, je dirais rien parce qu'il y a des gens qui nous écoutent à la caméra. Mais je sais que tu bois. J'ai bu qu'une fois, c'est tout. De l'eau. Ouais. En montant, avec des glaçons. Ouais. Bah, ça t'a pas réussi parce que tu m'as dit, papy, j'ai le cerveau gelé. C'est trop chaud. Donc, t'as le cerveau gelé. Ouais. Ah non, j'ai dit. C'est le choc thermique. Ah, c'est beau ça. Quelle heure est-il? Il est 11h moins le quart. Choc thermique. Attends. Retenez bien les gens. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Elle parle bien. Il est 10h42. 10h42, choc thermique. Fallait la placer dans une conversation en plein bois. Ben elle l'a fait. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai une championne. C'est pour ça que je sors avec elle. Hein. C'est une championne, ma petite fille. C'est ma petite gueule d'amour, championne de merde. Bon alors, t'écoutes? Ah oui, alors oui. Donc je suis dans une boîte à son, c'est ça? C'est dans une boîte à son, ouais. Une boîte des sons. Et je devrais écouter les bruits de la forêt. J'entends là des insectes, des oiseaux. Par contre, c'est bien, j'entends plus ma petite fille. Ta gueule. J'ai un ta gueule qui vient de m'arriver en 360 degrés, en effet surround. Hein? On appelle ça surround. Mais mets bien ta tête au fond. Quoi, j'ai une tête de con aussi. Dans le fond, j'ai l'air moins con. Hein, c'est ça. T'es vraiment une saucisse, une morue. Toi-même? Moi, je suis une morue. Ouais. Ouais, t'as pas tort. Toujours raison. Oui, bon. Tu vas encore pas la ramener aujourd'hui. Silence, on tourne. Bon, tu veux l'essayer, la boîte à son? Ouais. Allez. Bouge. Oh, les couillons, ils ont mis un boîtier dedans. Ah ouais? Il y a un MP3 dedans. C'est vrai. Il y a de la musique. C'est pas vrai. Je te jure, il est dans le truc. Ah ouais, bah c'est quoi ça? Un MP3 cassé. Ah ouais. Il y a encore de la musique, hein? Écoute, y'a papy. Oh, ça y est. Là, voilà l'autre qui danse en plein bois maintenant. Écoute. Il est cassé. Il est pas cassé ou est-ce que t'as vu qu'il était cassé? Ah oui, d'accord. Raconte ce que t'entends dans ta boîte à son, là. On dirait le Christ. Écarte les bras pour voir. Ah, oh, c'est christique. Ma petite fille, elle est trop christique. J'ai pas dit critique. C'est pour ça que tu croyais que tu avais entendu des insectes, c'est le bruit de la musique. Ah, je dis putain, il y a des bourdons, ils vont pas tarder à arriver autour d'Alexandra, je sais pas pourquoi. Je me suis cogné. Fais-toi un baiser sur l'épaule. Je peux pas. Allez. Je peux pas. Ah si, regarde. Je peux pas. Mais. Bon, quel effet ça fait d'être une femme Christ? Rien du tout. Ah bon? C'est pas mal. Et les clous, tu les sens quand même, non? Non, je les sens pas. Fais voir tes petites mains. Oh, putain, c'est une magicienne, elle a réussi à reboucher les trous, elle. T'as mis quoi, du mastic ou quoi? Hein? Ou de la pâte à sel, non? Non. T'aimes pas la pâte à sel? J'en ai fait quand j'étais petite. Avec qui? Avec ma maîtresse. C'était qui ta maîtresse? Je sais plus. Réponds à Jacques Martin, c'était qui ta maîtresse? Mais je connais plus les noms. Et c'était à Palisol, non? Non. T'es en Belgique? Non. T'es sûr que t'as pas fait de la pâte à sel à Palisol, toi? Non. T'as la tête à ça, pourtant. Non. Moi, j'ai fait ça à Hebe. À Hebe? École primaire. Oh, ben c'est pas loin de fumer, Hebe. Bah oui, c'est juste à côté.
Bon, c'est intéressant ce que tu nous racontes, mais est-ce que tu entends des sons particuliers? Bah, pas plus que j'entends de base. L'hôtel est sourde comme un pot, pire que son grand-père. C'est la boîte à son, mais... T'entends rien. J'entends même plus comme ça que... Ah oui, d'accord. Que là. Là, j'entends plus ma propre voix que là. Par contre, c'est beau, on dirait une petite vierge. Tu me saoules, papy? Hein? Par exemple, j'entends plus ces oiseaux-là. Ouais. Mais en même temps, t'as pas un oiseau sous la tête, hein? Mais j'entends l'oiseau quand je sors la tête et quand je me rentre la tête, il n'y a pas d'oiseau. C'est con ton truc! C'est pas une boîte à son, c'est une boîte enlève le son, ouais. Bon, je vais te faire décrocher un petit sourire qui va te faire plaisir. On va retourner en arrière, on va redescendre. Ah, ça y est! Ouais! Je croyais que tu allais dire ouais! T'es trop contente de redescendre. Le sol qui est pas content, devine qui c'est? C'est toi. Voilà, parce que je voudrais toujours que ça monte. Pourquoi faut-il redescendre et monter? Vaste question philosophique à laquelle tu vas me répondre, j'en suis sûr, d'aller me faire foutre. Parce que la terre n'est pas plate. Et voilà, en plein bois, on tombe sur une espèce de... Allez, une espèce de petite source hein, qui a été aménagée, mais il y a déjà longtemps. Hein. C'est beau comme tout, c'est frais, ça coule, c'est magnifique. Ah ouais, ça y est, le pivert est encore à l'œuvre là-haut. Donc là, vous savez pourquoi il s'est barré du puits, les copains? Parce que dès qu'il y a un petit moustique qui vient lui dire bonjour dans son oreille, la miss... Non, il y en a vu 3 tonnes. 3 tonnes de moustiques? À l'endroit où je suis, 3 tonnes de moustiques? Tu me le jures? 3 tonnes 5, ça fait beaucoup, t'as raison, je me barre. Tends-moi la main. J'arrive. Hey. Vas-y, descends ta main. Ouais, non, c'est pour les toucher, ouais.